Bah, on réalise pas trop, je pense un peu, mais là, on est trop heureux, enfin, et même pas. Donc t'es vraiment un match violent de filles, on part super disputé. Bah ouais, parce que à certains moments, on a bien eu le ballon, on a bien fait tourner, mais à d'autres, elles ont repris le dessus un peu physiquement par rapport à nous. Mais enfin, on a réussi à bien tenir et au bout, on a eu plus de lucidité pour tirer nos pénaltys. Comment vous êtes senti dans la tête? Ben, ça a été un coup dur, mais on a bien su se reprendre et on a tenu jusqu'au bout. Comment tu l'as vécu? Bah, très stressante, parce que le premier, je le sors, mais ça rappelle un peu le même film qu'à l'Euro. Elle loupe le premier et après on a perdu, alors là j'ai pensé à ça, mais au final les filles ont bien tiré. Après elles me disent d'aller tirer, là j'ai trop de stress, mais j'ai réussi à le mettre. Et là, mais après je sors le dernier, et voilà, c'est juste magique. Franchement, c'est génial. On s'attendait au début de la compétition, on pensait pas arriver aussi loin et de match en match, on a su élever notre niveau et on est devenu plus forte tout ensemble. Bah, franchement, c'était intense parce que on avait déjà perdu en finale de championnat d'Europe et on pensait que ça ferait la même chose, mais Romane, elle en a arrêté deux. Alors en plus, tu finis la compétition avec un trophée, montre-le-nous ce beau trophée. Ouais. Meilleur joueur du tournoi, c'est une belle preuve pour toi que ça vaut le coup de travailler, ça, j'imagine, encourageant pour la suite. Ouais, c'est clair. En plus, j'avais été blessée, du coup, j'ai eu du mal à revenir un peu, mais je me suis accrochée et j'ai pu faire la Coupe du Monde et je suis très fière, très contente. C'est une super satisfaction. Comme on s'est dit, c'est un mal pour un bien. On préfère être championne du monde que championne d'Europe. Et je pense qu'on le mérite. Ouais, sur la première mi-temps, on était bien présente. Après, en deuxième mi-temps, on était un peu moins fraîche. Les Coréennes, elles nous ont bien bousculé, mais dans l'ensemble, c'était une belle rencontre de notre part. Alors, raconte-moi un petit peu ce but. Bah, Gucha, qui me fait la passe, une super passe du pied gauche. Puis j'ai plus qu'à la mettre au fond. C'est sûr que ça a été dur physiquement, mais bon, en deuxième mi-temps, on a peiné, on a eu de la chance. Ils ont touché beaucoup les barres et les poteaux. Mais bon, on avait Romane quand même, la meilleure gardienne du monde, donc c'est rassurant. Et une de Claire en forme qui marque quand il faut. Alors c'est parfait. Hein. On peut pas rêver de mieux dans un groupe pareil. On méritait un trophée, je pense que la Coupe du Monde, c'est mérité. Sous les mêmes couleurs, La Fontaine!
de la joie et encore de la joie et plus que de la joie. À la fin, on a un petit peu lâché, mais on a, comme au match de poule, on n'a pas su continuer à bien produire le jeu comme tout le long du match, comme on l'a fait au début, et on a bien tenu. De la crainte, oui, c'est normal. Enfin, toujours, là, il y avait beaucoup de pression, mais en même temps, beaucoup de confiance aussi. Parce que on avait confiance en notre gardienne. Et puis elle a su faire ce qu'il fallait. Alors tu vas retourner en France après plus de 4 semaines d'absence avec une médaille de championne du monde, tu réalises ? Pas complètement encore parce que c'est énorme, il n'y a pas de mots pour décrire.